D'accord, on va participer à l'épreuve de force. Voir ce que ça donne. Voici le dernier défi. Préparez-vous, les bêtes désert défient chacun. Seul un champion pourra les vaincre. Je ne crains rien. Testez-moi au soleil. Je vous attends. Ah, ça fait du bien. Créatures de la terre, battez-vous pour votre foyer et votre vie. D'accord. Moirose frénétique. Ça, c'est la stupeur, ça. Rien faire. Non, autant pour l'esprit. Sortir le petit élite. Balthazar, donne-moi la force. Soleil nous sourit. Champion, venez recevoir vos honneurs. Ah, ça fait rien. Et donc, bon, on a gagné. C'est super. Hop. On continue. Écoutez-moi, vos anciens champions sont tous devenus des morts-vivants. Ce sont maintenant des esclaves et des soldats de l'armée du dragon. Silence! Le sacrifice des champions nous a protégés, car telle est la volonté du Dieu Soleil. C'est faux. Nous avons vu l'armée des morts vivants nous-mêmes, et elle ne cesse de grandir. Bientôt, elle vous attaquera. Bientôt, votre village ne sera que poussière. Le Dieu Soleil a choisi ses étrangers. Il parle pour le Dieu Soleil. Nous devons fortifier le village et nous défendre. Non ! Ils ne perturberont pas le rituel. Si le champion refuse de devenir notre sacrifice, j'irai à sa place. Je protégerai le village, même si personne d'autre n'y est disposé. Si vous pensez que cela vaut mieux, prêtresse, mais je n'en vois pas la nécessité. Nous allons fortifier le village et résister ici avec notre nouveau champion. Ce qui est une meilleure décision, à mon avis. Jusqu'où serais-je prête à aller pour le protéger en permanence ? Vitalité, robustesse, puissance, vitalité. Donc puissance et vitalité. Et maintenant ? Et maintenant, bah, on va parler au chef, voilà. Hop, on quitte l'instance. Côte de la marée sanglante. Donc là, ça nous amène... Où c'est que ça nous amène ?
là, ça nous ramène ici. Ouais, donc on va y aller à pied, tout doucement. Petite touche R pour avancer tout seul. Donc on arrive au village. On va y aller, rentrer dans la stance. Donc le village qui c'est, je veux rentrer dans la stance. D'accord. Avec encore un joli écran de chargement, comme je les aime bien. Et là, il faut parler au chef du village. Par là, le chef nous attend. D'accord, il nous attend. Allons-y. Oula, ça sent la big bataille, ça. Hop, avec des canons. J'aime bien quand il y a des canons. Le chef, il est là. Et on lui parle. Rebonjour, chef. Vous n'avez pas chômé, on dirait. Dans combien de temps vos défenses seront-elles prêtes? Bientôt. Je ne laisserai pas ce village mourir pour avoir manqué de vigilance. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Les serviteurs du dragon peuvent être très fourbes. Beaucoup de gens ne les remarquent que trop tard. Je vous suis reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux. À présent, je dois m'occuper de la porte principale. J'ai envoyé mon meilleur éclaireur observer l'ennemi. Il devrait bientôt revenir. Les villageois seraient rassurés de vous voir avec moi. Voulez-vous examiner le reste de nos défenses et vous assurer qu'elles sont prêtes? On va renforcer les villages. Les trucs, donc on active le feu. Ça c'est fait. Renforcer défense. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Réparer le mur. Un coup de marteau et c'est magique. Et je suis trop fort, n'empêche. Un coup de marteau, j'arrive à faire ça. C'est excellent. Et on va parler à Teshutli. J'aurais tellement aimé connaître l'amour avant de mourir. Enfin, je suppose que je suis prête. Si vous aussi. D'accord, on va rejoindre le chef. Mais oui, l'amour, tu vas le connaître. Écoutez, mes amis. Écoutez votre chef. Les draconides sans soleil nous ont dupés, ils ont souillé nos champions, ils viennent nous dévorer. Battons-nous! J'ai envoyé nos meilleurs éclaireurs observer leur approche. Ainsi, nous serons prêts à... Chef, Kekwan, j'ai échoué. Les morts vivants, ils arrivent. Koyonaki, tu m'entends? Courage, nous allons ouvrir les portes. Non, c'est trop tard, ils sont déjà là. Fuis! Cache-toi! Nous te retrouverons après la victoire! Koyonaki, s'il te plaît, par le soleil, réponds-moi! Les sans-soleil sont là! En position! Repousser les morts. Thank you.
n'échappera pas à leur assaut. Reculez et protégez le village. Attention, vous mettez le pied. C'est jamais plus facile pour leur cache. Est-ce que je peux utiliser ça? J'ai oublié de lancer un poison. Vivants ont enlevé la grande prêtresse. Aidez-leur maintenant. On va lancer vite, hein. Balthazar, donne-moi la force. Allez, on va aller. Envolés, nos foyers, nos terrains de chasse, nos terrains de ponte, tous ont disparu. Mais ça aurait été pire sans le prieuré. Nous sommes navrés pour votre foyer, mais ce n'est qu'un fragment infime du pouvoir des dragons. À moins que nous ne travaillions tous ensemble, toute la Tyrie connaîtra le même sort. Alors envoyez quelqu'un me chercher quand vous aurez besoin d'alliés contre le dragon, et je viendrai. Pour mon frère et mon village, je vous dois bien cela. Tant mieux. Car nous devrons livrer ce combat très bientôt. Et nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Nous avons affaire. Mais je vous souhaite bonne chance pour l'installation de vos nouveaux territoires.
Que le soleil sacré brille sur vous et vous protège jusqu'à nos retrouvailles. J'ai gagné. Des belles paroles. Vous avez gagné. Je meurs. J'en ai terminé avec ça. Il me semble avant de quitter, mais on peut pas le réanimer lui. Ouais, allez, on quitte. Bon voilà, apparemment je pense sans me tromper que c'était. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, il faut retourner à Lornar, je suppose. Ouais, c'est ce que je pensais. On va parler à Lornar, je pense que c'était un. Ouf, une pièce d'argent 21. Donc c'était un petit arc historique. Donc c'était l'histoire sur les Ilek, donc on va voir ce qui va nous attendre. Donc apparemment on a aidé les Ilek et on va peut-être à la fin du jeu, là où voilà, plus tard peut-être on les retrouvera. Et donc comme vous avez pu voir, la prêtresse à l'époque il voulait y aller toute seule, bah, elle s'est retrouvée en morte vivante. C'est bon, ça charge, nickel, hop.